L'anarchie, c'est quand même une notion où la plupart des gens ne voient pas très bien ce que ça veut dire. Pensée libertaire non plus. Et donc je voulais commencer par deux citations. Une de David Graeber. L'anarchie, donc, c'est un projet qui a pour but de commencer à créer les institutions d'une nouvelle société au sein de l'ancienne, afin de révéler, de subvertir et de fragiliser les structures de domination, et en procédant toujours de façon démocratique pour démontrer que ces structures ne sont pas nécessaires. Et la deuxième, qui est de Martin Buber, qui est un révolutionnaire anarchiste allemand. L'État n'est pas quelque chose qu'on peut détruire par une révolution. Il s'agit plutôt d'une condition, d'une certaine relation entre êtres humains, d'une façon de se comporter. C'est en nouant d'autres formes de relations et en se comportant différemment qu'on pourra le détruire. Ce qui est pas mal, c'est l'idée aussi que c'est pas une révolution. Ouais. Du coup, en fait, ça passe pas par des actes de violence. Et à une époque, ouais, comme beaucoup peut-être de Français ou de gens à qui on a appris la Révolution française, et puis... L'idéal de la révolution, je me disais que c'était pas mal aussi, la révolution, qu'on pourrait changer les choses rapidement d'un coup et qu'il fallait prendre le pouvoir. Et en fait, dans les années 70, en fait, ça a été la mode de tous les communistes plus ou moins autonomes sur Terre de reprendre la lutte armée. On a pris les armes, on a attaqué l'État, il a répliqué, il est plus fort que nous, qu'il a le monopole de la violence légale. Donc en fait, on a répondu à la violence par la violence, et au final, c'est la violence qui a gagné. Tu peux pas prendre le pouvoir, en fait. Le pouvoir, tout le monde l'a, et c'est bien ça, en fait, c'est pour ça que je suis devenu anarchiste. Si on est tous plus autonomes, en fait, on sera des gens mieux dans nos peaux, mieux dans nos têtes, plus sains avec les unes et les autres. Et du coup, en fait, mon entourage ira mieux, et je sais que quand mon entourage va mieux, moi je vais mieux aussi. On ne pouvait pas prendre le pouvoir à la place des autres, parce que si on monopolise le pouvoir, c'est comme tous les monopoles en fait. On l'enlève aux autres. C'est là où tu crées la servitude volontaire ou pas, ou c'est là où tu crées le véritable assistanat par exemple, quoi. Et à partir de ce début, du coup, t'as développé progressivement, à partir aussi de lectures ou de rencontres, une éthique de vie du coup quotidienne. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on écoute ce que disent la plupart des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est l'anarchie, ils vont te dire totalement l'inverse. Ils vont te dire que l'anarchie est une forme d'idéologie violente, et ils vont en avoir peur. Et c'est rigolo parce que quand tu connais vraiment des anarchistes, en fait, ou des gens qui sont inspirés par la pensée libertaire, mais c'est tout le contraire. L'anarchie, c'est inverse de hiérarchie, et un des mots-clés, ouais, c'est... anti-autoritaire, quoi. Donc, contre toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Comme tu hiérarchises rien, tu hiérarchises pas les genres, tu hiérarchises pas les races, t'es antiraciste. Si tu hiérarchises pas les espèces, par exemple, les formes de vie, c'est plus vraiment de la politique, c'est une forme d'éthique anti-autoritaire. Je suis un peu un activiste environnemental et un activiste technologique aussi. J'ai particulièrement suivi l'histoire politique des mouvements issus des années 50 et 60 aux États-Unis, qui se sont progressivement positionnés face au capitalisme de cette époque-là, qui est complètement destructeur, et qui ont évolué vers l'écologie sociale, vers une forme de pensée de démocratie directe, donc d'appropriation de la population du champ politique et d'appropriation des mécanismes de décision au sein des communautés, au sein des municipalités, des territoires, des régions, etc. C'est la lecture de Murray Bookchin, mais d'autres penseurs, des penseurs francophones notamment, Gorz, Ellul. Donc c'est pas une pensée qui est rigide sur une espèce d'idéologie libertaire. C'est une pensée qui est ouverte à toutes sortes de confrontations avec le monde. Par exemple, avoir une agriculture qui soit en osmose, en symbiose avec son environnement.
ça fonde les communautés qui travaillent cette agriculture-là. Développer les circuits courts, développer tout ce qui est local en termes écologiques, en fait. Enfin, c'est, parce que l'écologie, du coup, d'après ce principe, se vise surtout à échelle locale. Oui, parce que c'est justement l'écologie, c'est bien une histoire de symbiose et actuellement tout ça c'est rompu. Toi, avec une base libertaire qui vient du municipalisme libertaire, qui a un courant de pensée qui considère que oui, qu'il faut agir à l'échelle électorale, mais au niveau municipal, donc au niveau des villes. Moi, je suis dans quelque chose de très ouvert, qui est mobile parce que le monde est mobile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur des idéologies sur la rigidité de certaines idéologies du 19e siècle ou du 20e. C'est-à-dire que désormais, nous avons une dizaine d'années avant vraiment un seuil d'irréversibilité qui va conduire à un emballement, une croissance constante de la température, c'est-à-dire de l'ordre de 0,5 degré à 1 degré par an, sur des moyennes, hein, bien sûr. Une situation de présence de l'humain sur cette planète qui est mise en question, et c'est elle désormais qui doit fonder nos stratégies politiques. La lutte globale, tant que le capitalisme est aussi prédateur, on peut tenter d'y lutter, bien sûr, tous les moyens sont bons. Mais actuellement, c'est par la transformation des territoires, par la viralité de zones de résistance, qu'on peut construire des espaces qui seront des niches. Hein, dans l'effondrement qui est en cours, qui est de plus en plus visible, ces niches-là vont subsister. Parce qu'elles développent déjà les réseaux de solidarité, les réseaux de production de ressources, les réseaux aussi culturels. La démocratie directe, c'est le point fondamental. Pourquoi ? Parce que depuis la révolution industrielle, tout s'est centralisé, les flux sont centralisés, les flux d'informations, les flux de production de biens ou de services. Et c'est cette centralisation qui a fait une espèce de métastructure, un pouvoir immense. Nos gouvernants sont à la solde des multinationales, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, la démocratie directe, elle a son importance parce qu'elle permet aux territoires, donc aux groupes, aux petits groupes, d'avoir leur propre mode de fonctionnement de façon indépendante des métastructures. Paradoxe pour quiconque se revendique de l'anarchie de dans un mouvement politique. J'ai été dans un mouvement qui s'appelle donc la France Insoumise. Je pense que c'est un paradoxe qu'il faut pas forcément rejeter, dans le sens où moi la recherche de pureté idéologique et la recherche de mouvements chimiquement purs, c'est quelque chose qui à la fois me fait peur et que je trouve aussi assez contre-productif. On doit militer là où on peut le faire, et voilà, moi ça a été à France Insoumise, et c'est pas parce que au bout d'un moment je me suis revendiqué de l'anarchie que je devais quitter ce mouvement, notamment parce que je milite avec des amis aussi. Et surtout que pour moi, si tu veux, la politique c'est cyclique, c'est-à-dire que l'anarchisme c'est un but qu'on vise, mais avant ça il peut y avoir des étapes. Clairement aujourd'hui les thématiques et les problématiques auxquelles on fait face, c'est difficile de se passer de la machine de l'État pour les résoudre, notamment évidemment la question écologique. Pour beaucoup, mettre un bulletin dans l'urne, c'est la fin de leur militantisme. Pour moi, ça serait le début. Même si ça va en partie contre leurs valeurs, qui malgré tout décident de s'investir dans des machineries qui les révulsent un peu, mais parce qu'ils pensent justement qu'ils peuvent amener quelque chose de bien, quoi, là-dedans. Ouais, c'est ça. Clairement, je suis persuadé que si par exemple j'étais pas dans ce mouvement, peut-être que les libertaires de Nice seraient plus frileux, tu sais, de s'investir dans une campagne, parce qu'ils voient qu'en fait, il peut y avoir des libertaires qui sont investis dans des mouvements et ça crée des ponts. La conscience écologiste généralisée, pour moi, elle signifie la fin d'un monde, quoi. C'est-à-dire que ce nœud intellectuel qui fait que une croissance exponentielle et infinie dans un monde fini, etc., ça signifie la fin du capitalisme, cela, parce que c'est insoluble. Et le seul remède à ça, pour moi, c'est l'anarchisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est la seule idéologie qui embrasse complètement le problème à bras-le-corps et qui dit très bien. C'est ça, moi, qui m'intéresse énormément aussi dans l'anarchisme, c'est que c'est quelque chose d'hyper intellectuel. Parce que ce qu'on propose,
c'est tellement à l'encontre de tout, ouais, pour le coup, c'est tout, le réel dans tout, quoi, dans les relations sociales, humaines, économiques, politiques, c'est-à-dire qu'on renverse complètement le réel, et pour ce faire, bah, il faut être hyper armé, quoi. Le jour où vraiment ce système-là s'effondre, eh ben, on va se retourner vers nous aussi. Tu vois, c'est-à-dire que vous qui proposez quelque chose, et alors, en fait, maintenant vous êtes devant vos responsabilités. Ils sont déjà en train de se retourner vers nous, en fait. Même des gens qui reprennent, ils appellent ça démocratie participative, mais bon, en fait, on appelle ça démocratie directe. Mais il y a des gens qui se portent vers ces questions. Et bon, pour nous, c'est quand même sacrément fort aussi, quoi. C'est pas anodin. Les Gilets jaunes ont un caractère anarchiste énorme aussi. Alors même s'ils sont dans la revendication, ce qui a priori est pas forcément l'idée qu'on se fait de l'anarchisme, puisque nous on prétend qu'on peut faire société sans vous. Il y a un fort anticapitalisme, en tout cas dans la nation française, et des fortes revendications sociales qui ne disent pas leur nom. Et d'un coup, voilà, les gens, sans qu'ils se disent anarchistes, ben en fait ils ont des comportements, ils ont des modes de combat qui sont complètement ce qu'on revendique. Sur la question de la violence, on a épuisé absolument toutes les voies de recours possibles. Et on a vu que ça marchait pas. Le seul moyen de les faire un petit peu tressauter, c'est d'aller leur faire peur. Et encore, franchement, quand on voit ce que c'est la violence des Gilets jaunes, c'est quelques bruits de vitrine, quoi. Tu vois, quand on voit ce qui peut se passer actuellement dans d'autres pays, au Chili notamment, etc., on n'en est pas encore vraiment dans la vraie violence, quoi. Il y avait au XXe siècle, au XIXe siècle, les anarchistes tuaient des gens. Ils venaient encore bien gentils, en fait. Les anarchistes ne sont pas non violents, mais par contre, s'ils réfléchissent sur la question de la violence, ils n'hésitent pas à l'utiliser. Mais par contre, c'est pas un mouvement qui prêche la violence, quoi. Disons qu'on n'écarte aucune voie, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le pacifisme BA dont se revendique XR. Moi, je le critique pas en soi, c'est-à-dire qu'ils peuvent, clairement apporter quelque chose au débat, avoir des formes de désobéissance civile qui peuvent avoir un intérêt, un impact. C'est un essai de Peter Gelderlos, qui est un anarchiste américain, qui dit comment la non-violence protège l'État. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant pour nous qui joue, c'est-à-dire que on peut avoir le soutien des masses même en allant très très loin, quoi. Et donc du coup, ça pousse à aller plus loin. Pas violenter cette table. Voilà, mais c'est vrai que dans le vocabulaire médiatique, ça se fait. Du coup, le Black Bloc qui est dans l'esprit commun incarne ce qu'est l'anarchisme, même si c'est beaucoup plus large que ça. Mais dans l'esprit commun, dans l'esprit médiatique, c'est Black Bloc égale anarchisme, anarchisme égale Black Bloc. C'est un groupe violent, alors que si on regarde dans les faits, jamais on a entendu parler de gens grièvement blessés par le Black Bloc. Oui, voilà, c'est-à-dire, comme on ne sait pas exactement ce que c'est, on va le catégoriser, c'est violence. Et violence égale casser quelque chose qui ne m'appartient pas. Dans un contexte quel qu'il soit, nous devons créer des structures qui soient réellement démocratiques et agir de façon réellement démocratique, donc anti-autoritaire, en fait. Je pense que dans le contexte, là, on peut faire une équivalence entre démocratique et anti-autoritaire. Pour certains anarchistes, ça va pas. Ça va pas, mais Ils sont contre la démocratie. Et ça justifie par le fait, encore une fois, que le pouvoir serait accaparé par une entité abstraite. C'est vraiment dans le courant du nouvel anarchisme des années à partir des années 60, notamment avec des mecs comme Graeber ou Murray Bookchin, qu'on va commencer à utiliser de façon positive le mot démocratie, sachant que pour tous les anciens, un anarchisme classique, Kropotkin, Bakounine, Proudhon, ils refusent même l'étiquette, ils disent nous ne sommes pas démocrates. Ils sont anarchistes. C'est vraiment une image d'Épinal de l'anarchiste, quoi. C'est pouvoir chercher des vieilles gravures de l'époque, effectivement, avec des anarches barbus et tout énervés qui se battent contre les flics, qui balancent des cocktails. Mais c'est le machin, ça date de Ravachol, quoi. C'est la phase d'action directe violente, c'était une ultra minorité d'anarchistes du XXe siècle, qui à l'époque était quand même un mode de pensée qui était assez dominant, c'était plus fort que le marxisme en Europe à ce moment-là, fin 19e. Et du coup, il y a eu un moment, effectivement, qui a duré 10 ans, jusqu'aux lois scélérates et jusqu'avant la répression systématique des anarchistes, qui a fait que, c'est un peu tombé à plat. Il y a eu une dizaine d'années où il y a eu quelques attentats violents, avec des morts, effectivement, qui ont été menés par une petite poignée d'anarchistes qui étaient complètement écartés du reste des mouvements à l'époque étaient construits dans différents pays, et ça a suffi pour marquer jusqu'à encore aujourd'hui les imaginaires, quoi. C'est du coup, il y a les attentats anarchistes. Ma mère, dès que je suis anarch, elle s'est toujours pas habituée, quoi. Il y a un bon film quand même là-dessus qui s'appelle Ni Dieu ni Maître. Ça représente la fin du 19e siècle dans un des moments historiques des anarchistes, suite à quand même des gros mouvements de répression. Eux, ils étaient quand même passés par une étape, c'est-à-dire qu'ils faisaient des casses pour avoir de l'argent.
Bon, voilà, eux, ils considéraient que c'était pas de la violence, c'est qu'ils attaquaient l'État. Suite à quoi, en fait, il y a eu des grosses vagues de répression avec des condamnations à mort, et c'est à ça qu'ils ont répliqué par des attentats avec des morts. Au même moment, t'as quand même des anarchistes qui créent les bourses du travail, les premières propositions féministes sont anarchistes, les premières propositions écolo, c'est tout sauf la violence en fait, c'est des propositions de société profondes et avant-gardistes, en fait c'est tout sauf la guerre. Toi, tu fais partie de différents collectifs. Et c'est quoi tes rapports à la pensée anarchiste ? En me cultivant, en faisant des recherches, il m'a semblé que les principes anarchistes étaient au plus proche de la manière dont je voulais vivre et dont j'aurais voulu que chacun puisse vivre. Et au-delà du cliché de anarchie, insurrection, bordel, etc., c'est surtout une responsabilisation de chacun et comment s'organiser collectivement pour que chacun puisse trouver sa place dans un système. En ce moment, tu travailles pour Emmaüs Froyat, ce qui est clairement du coup l'inspiration libertaire. Comment ça se passe en fait dans les faits ? Parce que ça va être compliqué aussi d'avoir un camp, notamment dans les pics, il y avait jusqu'à 200 personnes chez Cédric. Du coup, c'est compliqué, je suppose, d'arriver à garder des principes d'égalité et d'autonomie de chacun quand on gère beaucoup de gens en fait. Oui, on est clairement confronté sur Emmaüs Royer en tout cas à cette problématique-là, du fait qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, mais après il y a aussi l'anarchie, ça ne veut pas dire tout le monde égalité absolue sans réfléchir. Il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, il y a des gens qui ont des compétences, surtout sur la question migratoire où on a des exilés qui viennent d'autres cultures, qui ne connaissent pas forcément la langue, l'administratif, les pensées politiques aussi qu'on partage, même au niveau de nos activités, l'agriculture, etc. Forcément, à un moment donné, il y a un échange de savoir qui doit s'opérer. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas de garder les gens sous notre coupe, c'est de les aider à s'émanciper, se développer pour que justement chacun puisse prendre ses responsabilités. Et clairement, ça fait chier tout le monde d'avoir les responsabilités à la place des autres, de devoir leur expliquer ce qu'il y a à faire, etc. Bon, ça marche avec la plupart. Après, chacun son caractère. Il y a aussi le fait que les gens sont là à défaut. Ils n'ont pas tous rêvé d'être agriculteurs dans la Roya. Voilà, il y a tout ça qui se mélange. C'est vrai qu'il faut composer avec tout ça. Je pense qu'il y a quand même une bonne ambiance. On essaie de donner la place. Après, si les gens ne veulent pas prendre la place, du coup, forcément, on est plus dans quelque chose de directif. Mais on est, voilà. Il y a la théorie, il y a la pratique, c'est toujours pareil. Dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas entièrement dans les principes anarchistes. Mais pour répandre l'anarchie, il faut aussi être auprès des citoyens, etc. Il faut être dans la vie active pour pouvoir promouvoir cette culture-là au travers des associations qui, elles, fonctionnent peut-être de manière anarchiste, mais pas forcément. On est quand même dans le mieux au niveau de l'accueil des exilés, on est en tout cas dans le moins pire, c'est sûr. On n'est pas dans quelque chose où on infantilise les gens ou avec une espèce de mentalité post-coloniale, nous on va t'expliquer comment c'est la vie, nanana, c'est pas du tout là-dedans. Donc, et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup, malgré nous, c'est quelque chose qui est inconscient dans la conscience collective, on va dire. La plupart, on est bénévoles, maintenant on a deux salariés, mais jusqu'à présent, c'était que des bénévoles militants qui donnent leur temps, leur énergie. On ne peut pas tout faire bien, on n'est pas formé pour ça à la base. Mais oui, pour le moment, ça fonctionne. On est heureux d'avoir des amis qui viennent de loin et qui maintenant sont prêts à s'investir et dans les luttes et dans la société française et autres. Mais en tout cas, oui, ces gens-là, ils sont en train de devenir quelqu'un avec un grand cul. To do what I have done. Spend your life in pain and no misery. In the heart of those waves of the Rhine. Thank you.
c'est vraiment un moyen d'action aussi, l'anarchie, quoi. C'est pas juste une pensée politique. Et ça passe vraiment par l'autogestion et tout. Et finalement, je l'ai bien découvert aussi par le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'avant, les manifs que j'avais faites, ça passait toujours par des syndicats ou des organisations politiques, mais qui étaient organisées hiérarchiquement. Et là, ce mouvement-là, je trouvais que c'était vraiment la démonstration d'une forme d'autogestion, finalement. Ce mode de gestion-là, entre guillemets, permet à tout le monde d'avoir accès à la parole. Et c'est pas juste tel représentant syndical qui va pouvoir parler au micro pour tous ses autres collègues, mais c'est n'importe qui peut exprimer aussi ce qu'il pense. Depuis longtemps, je fais partie de la Mission ouvrière chrétienne. En fait, c'est une organisation un peu de gauche. Enfin, c'est un peu les chrétiens de gauche dans l'Église. Et ça m'a. Moi, je me suis beaucoup éloignée à l'adolescence de ce que pouvait représenter l'Église catholique à cause justement de cette hiérarchie. Enfin, c'était une grande joie pour moi de découvrir Jacques Ellul parce que c'est lui qui remet. Enfin, c'est un des seuls penseurs qui remet en question justement le fait qu'on puisse être chrétien, mais sans. Croyant en général, quoi. Oui, et croyant, et, ouais. Mais sans cette hiérarchie, et voilà. Jésus, dans la vie qu'il a menée, ça a toujours été un opposant politique. Ce que dit Jacques Ellul aussi, c'est qu'il n'était pas seulement contre les Romains, il était en fait contre toute forme de pouvoir. Enfin, lui, il fait une lecture, exactement. Il dit que Jésus est un anarchiste, qui n'était pas seulement contre le pouvoir de l'Empire, mais contre toute forme de pouvoir sur les hommes. Ouais. C'est vachement intéressant, quoi. Bah, complètement, c'est ça. Les anarches, généralement, n'aiment pas beaucoup les religions. Et ça pourrait être intéressant justement de créer des liens entre le monde libertaire et les croyants de bonne volonté, que ce soit parce qu'il y a un courant anarch qui était vachement présent aussi chez les protestants, Jacques Ellul est protestant, enfin il vient de là quoi. Chez les cathos, ça se manifeste aussi parce que clairement là, tu peux faire une lecture assez libertaire de la Bible. Oui, dans ces milieux-là aussi, effectivement, dans les milieux anarchistes, il y a un grand, il y a beaucoup d'anticléricalisme, etc. Mais que moi je partage en fait, hein, je veux dire, on peut être. Enfin moi je suis anticlérical. Hein. En tout cas, moi c'est un message que j'ai envie d'assumer et de porter. Et voilà, qui apporterait effectivement un petit peu plus aussi de compréhension entre tous, quoi. Alors, deux mots sur Kropotkine d'abord, pour que tout le monde le situe. Il est né en 1842 et il est mort en 1921. Il est né en Russie. Il fait des études, comme c'est un noble, d'extraction aristocratique. Il a un enseignement qui est complet, c'est-à-dire qui va des sciences jusqu'à ce qu'on appellerait aujourd'hui les humanités. Et dans ce bain, en fait, là, dans ce bain scientifique, Kropotkine... et pas très original, tous les intellectuels de son époque, ils ingurgitent ça, et c'est très important pour eux, parce que la science qui vient d'Occident, c'est un moyen très clair de démonter le tsarisme, quoi, le pouvoir autocratique. Quoi. Et donc, contre toute attente, au lieu d'embrasser une carrière militaire comme le voudrait sa famille, il choisit non pas de rester à Saint-Pétersbourg, mais il va en Sibérie, où il se forme à la question politique. Au début, il est un petit peu réformiste, quoi. Et puis il voit que ça ne fonctionne pas, en fait, que la structure étatique et la bureaucratie est trop lourde. C'est un géographe, hein, au départ. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a toujours cette exigence de penser l'être humain dans son milieu. Alors venons-en à ce recueil, « Agissez par vous-même ». 1886, c'est son deuxième exil en Angleterre. Et il vient de purger une peine de 3 ans de prison, parce qu'il a été accusé en 1883 sur le territoire français d'avoir été un instigateur, un conspirateur d'attentats anarchistes. On voit même Victor Hugo monter au créneau pour demander sa libération, etc. Et dès 1886, donc, un exemple même de pratique anarchiste, c'est l'apparition de périodiques. Et en fait, ce livre-là, c'est la traduction de tous les articles qu'il a donnés pour ce journal-là. Le propos dans ce livre, il est assez simple. Kropotkine envisage à quoi pourrait ressembler une révolution anarchiste, mais à l'échelle d'un pays. Alors il va s'interroger sur des aspects très très concrets. Comment on organise une communauté? Tout courant socialiste part du principe que l'homme n'a pas créé la société existe toujours avant lui. C'est cette idée socialiste que les besoins sont toujours socialisés. J'habite par là, dans la montagne depuis 20 ans. Toi du coup tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Ethnopère, bien impliqué dans les activités anar de la vallée, donc est-ce que tu peux parler, comment toi t'as découvert tout ce qui est pensé anar, libertaire, tout ça? J'ai vu des affiches de la fédération anarchiste quand j'avais 13-14 ans,
avec une main dans, coincée dans des barbelés qui disait l'armée embauche, elle te tend la main. Fédération anarchiste, c'est tout. Et je me disais d'où ils sortent. Du coup, je suis allé à la Fédération anarchiste. Après, ça me saoulait de militer le mercredi, une fois par semaine, je sais pas quoi, dans la maison des associations, dans le même local que les identitaires savoyards, tu sais, c'était à Chambéry. Donc je me disais, c'est pas suffisant. J'étais un peu nomade et on a occupé des centres sociaux avec une équipe de gens pendant 2 ans. Et après, je me suis installé à la montagne où on a fait le groupe Ethnopère et qu'on continuait à avoir le lien avec les squats et la mouvance punk anarchiste. Ouais. Et avec la marine aussi, du coup Et à Marine, c'est venu après. Ouais. Et ça fait une dizaine d'années à Marine. Bah, à Marine, c'est un lieu autogéré avec un collectif, un groupe de gens. Il y a des jardins, des festivals de musique, il y a une brasserie. Enfin, tout n'est pas au même endroit, mais en tout cas, c'est des gens qui sont actifs. Pour moi, c'est expérimental. Il y a des tests qui ont été faits. Il y a eu la Commune de Paris, je sais pas, l'Espagne en 1936, le Chiapas, là, il y a Rojava maintenant. Il y a Xarquilla aussi. Mais il n'y a rien de figé. Ouais, c'est plus un arche instinctif, en fait. Voilà, là, genre, de façon d'instinct, tu t'organises ou avec... J'étais à l'AFA, mais le militantisme, ça m'a saoulé, en fait. Ça reste un truc à inventer ensemble. C'est pas un truc qui existe, qu'on doit appliquer. On peut pas le lire bibliquement, ces putains de livres anarchistes, et créer une société libre. Mais du coup, ouais, c'est des gens qui se réclament du côté anar dans les vallées. Il y en a quelques-uns. C'est parce qu'il y a quand même une petite communauté dans la vallée de la Roya. C'est un petit groupe de gens qui agissent beaucoup pour aider les migrants, pour créer des trucs écolos, pour créer des trucs des lieux autogérés. Des anarchistes, il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y a pas d'organisation. Là, tu parles pour aider les migrants, pour lutter contre ci, contre ça. C'est des gens, il y a énormément de bords différents dans la vallée. Après, y a j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui refusent les chefs, les maîtres, les dieux, et voilà, les lois, les flics. Il y a des liens politiques qui se font entre l'autonomie, les banlieues, les réseaux anarchistes, les squats. Il y a plus d'assemblées populaires, il y a plus d'actions radicales, au sens où on cherche la racine du problème, par exemple des multinationales, les marchands de sommeil, je sais pas, qui pourraient se faire attaquer dans ces manifs. C'est l'idée libertaire qui prend de la place dans les méthodes de lutte, dans les manières de s'organiser. Et il y a aussi une partie des gens qui j'ai l'impression que ça revient un peu comme les brigades internationales en 36, où les gens ils partent en Grèce contre l'expulsion du quartier squatté, là, à Xarquilla ou je sais pas quoi. Xarquilla, ouais. Xarquilla. Et après, il y a Rojava, comme il y a eu le Chiapas, et ça existe encore, le Chiapas, mais ça existe déjà. Mais bon, l'anarchie, c'est aussi plein de directions. Tu peux faire des repas de quartier, des fripes, de la musique. Dans toutes ces actions, on va dire, anarchistes, il y a toujours l'illégalité et la menace de la prison et de la répression qui plane. Du coup, ça crée plein de branches différentes. C'est ça que je pensais, moi, quand j'avais 17 ans et qu'on a commencé à occuper des baraques et à avoir une idée de, je sais pas, révolutionnaire, d'ouvrir cette maison au quartier, de créer une zone autonome, mais à partager avec le quartier des squats où il y avait des clandestins, des féministes, des punks qui se tapaient sur la gueule à coups de marteau, tout bourrés, des artistes, des graffeurs, des trucs, et tout le monde vivait ensemble. Parce qu'ils avaient peut-être des points communs, genre le même mode de vie, le même genre de la même manière de trouver de la bouffe. Et même si des fois ça se frite, mais laissez-nous tranquille, nous friter ou débattre, ou on sait vivre ensemble, voilà. On vit dans un monde qui a été en Europe et un peu dans le monde façonné par l'anarchisme, en fait, parce que tout ce qui est la sécurité sociale en grande partie pensée par les proudhoniens, enfin en grande partie de toute sécurité sociale, bourse du travail, droit des travailleurs, beaucoup de choses ont été façonnées, ont été mises en place. Il y a le déni, en fait, l'espèce de grosse gomme historique sur tout ce que les anarchistes ont apporté à la société, mais aussi pas qu'en termes institutionnels ou d'avantages sociaux, mais aussi au niveau des idées. Une vision du monde aussi différente de celle proposée par les autres courants idéologiques majeurs. C'est ni des capitalistes, ni des marxistes. Quelque part, en fait, ils se situent peut-être même en dehors de ce qu'on appelle l'échiquier politique, quoi. On a liquidé, en fait, les idées anarchistes, parce qu'on a liquidé physiquement les anarchistes, régulièrement tout au long de l'histoire, hein. Tu vas faire un débat à l'université ou même en terminale, on va te parler de Marx
et de Keynes. Dire l'anarchisme, est-ce que c'est pas déjà tombé dans le piège de la réduction absolue en disant voilà, c'est ça, c'est un dogme. Ouais. Or, il me semble que c'est quelque chose de très très vivant, contrairement à d'autres idéologies, justement. Fait, ouais. Pour moi, en tous les cas, à l'employé, il y a un côté pratique, justement, dans le fait de dire pensée libertaire ou les pensées libertaires, parce que du coup, ça inclut beaucoup plus de courants qui, effectivement, c'est plus large en termes de ce qu'on pourrait définir comme étant des pensées rattachées à l'anarchisme. Sachant que la pensée libertaire, enfin, c'est est potentiellement libertaire, tout ce qui cherche à construire un bien-être commun, à quelque échelle que ce soit, en faisant en sorte de ne pas passer par la case de l'autorité, la recherche la plus absolue de l'horizontalité. Et pour ce qui est de l'anarchie, bah, le mot c'est assez simple, hein, il a été revendiqué pour la première fois par Pierre-Joseph Proudhon, au début, début moitié du XIIe siècle, ensuite ça a été repris ensuite. Mais dès le début, en fait, le mot a une connotation positive et négative. C'est un mot, donc ça vient du grec, hein, anarché, donc pas d'hiérarchie. Et donc dès le début, enfin assez rapidement en tous les cas, ça a pu désigner soit le bordel, hein, pas d'hiérarchie, ça veut dire que les gens se gèrent eux-mêmes, et donc sont en mesure, ont assez de maturité et assez de bienveillance mutuelle pour s'organiser ensemble sans qu'il ne soit besoin de leur dire de faire ci, de faire ça. Donc je sais pas comment me présenter, c'est-à-dire militant... Alors, poursuivi par la police, syndicaliste, politique, associatif, je fais un peu tout, quoi. Voilà, j'ai ma cellule à Ouvard aussi. Mmh. C'est... Oui, t'as ta cellule réservée, à ce qui paraît, ouais, c'est... Ouais. T'es prof d'histoire aussi, tu l'as pas dit. Oui, c'est vrai. Mais qui connaît bien l'histoire, notamment l'histoire des gauches, qu'est-ce que pour toi l'anarchisme a apporté, par exemple, dans l'histoire des luttes ? C'est ce qui est beaucoup, a priori. Ah bah, ça a apporté beaucoup de choses. Un goût de la lutte, un non-renoncement aux idées, et c'est vouloir changer de société, de manière assez radicale, où on fabrique ce dont on a besoin et uniquement cela. Alors tu le connais mieux que moi, hein, donc tu vas... Son apport, je pense, il est sur ce qu'on peut faire au quotidien, en fait, finalement. Et moi, par exemple, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il a expliqué sur le municipalisme libertaire, qu'on peut voir, d'ailleurs, dans certaines sociétés, notamment en Amérique du Sud, ou qu'on a pu voir au Kurdistan récemment, où, effectivement, tu as des expériences autogérées, etc., qui sont mises en place. C'est ce qu'on peut faire, finalement, avant même d'avoir fait la révolution. Parce qu'il faut quand même faire la révolution à un moment donné. Les thématiques justement de démocratie directe, donc de vraie démocratie, et ils l'ont finalement plus fait que pas mal d'autres mouvements à gauche qui justement, parce qu'ils s'étaient préoccupés par la prise de pouvoir, c'est ça aussi l'apport... Dans les premiers temps de la révolution russe, les bolcheviks l'ont fait aussi. Il ne faut pas croire que c'était les soviets, c'est bien un truc à la base. Ou ce qu'on appelait les conseils ouvriers en Allemagne lors de la révolution spartakiste, et pendant les quelques années qu'on suivit, c'était aussi cette base-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des gens qui s'organisent à la base, alors dans les casernes pour les soldats, mais aussi dans les champs pour les paysans, dans les usines pour les ouvriers, ou simplement dans les quartiers, et qui se mettaient d'accord sur ce qu'ils voulaient faire. C'est un peu ce que, d'une certaine manière, on reproduit les Gilets jaunes, à une petite échelle, parce que ça n'a jamais été un mouvement vraiment de masse, au sens où on aurait pu l'entendre, hein, je veux dire, mobiliser maximum, il y a eu 200 000 personnes, mais des personnes qui jusque-là ne se mobilisaient pas et qui ont acquis une conscience de classe se rendant compte qu'elles étaient dans les pauvres, qu'elles étaient parmi les exploités et qu'il fallait se battre contre les exploiteurs. C'est ce qui embête à la fois le pouvoir, la bourgeoisie au pouvoir, mais c'est ce qui embête aussi certains partis établis qui disent, ou syndicats qui disent « mais on ne sait pas à qui on peut discuter ben, ». C'est le principe justement, c'est que tu peux discuter avec tout le monde finalement. Bon, alors les pétroleuses. Sur la commune ? Ah, c'est sur la commune, oui. La commune de Paris, alors la première révolution de type prolétarienne qui a eu lieu, en fait. Et c'est la première fois que les femmes obtiennent des droits civiques. Elles ont les mêmes droits que les hommes. J'ai grandi à Paris et j'ai rencontré pas mal de gens sur Paris qui étaient dans un mode un peu alternatif. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à Nice. Et pendant 10 ans, j'ai été dans plein de lieux alternatifs dans toute l'Europe, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, et en France, en Italie. Et du coup, à un moment donné, l'idée, c'était de créer un endroit comme tous ceux qu'on avait rencontrés et tous ceux qui nous avaient accueillis, en fait. Et on s'est retrouvés à une bande de potes et voilà, on cherchait un endroit dans la vallée de la Roya.
quand je te parle de ces lieux-là, c'est tous des squats, des lieux alternatifs dans lesquels on faisait concert avec Ethnopère. Et on a eu l'opportunité de trouver ce terrain, on l'a acheté, on était 5-6 au départ, on a mis 2000 balles chacun. Du coup, on a dû s'arranger nous-mêmes pour mettre des panneaux solaires, pour faire des jardins. Et on arrive là, en fait, on a fêté les 10 ans cet été. Et du coup, on arrive à se produire pas mal de légumes pour nous. On a les panneaux solaires pour faire l'électricité. On a des ruches, on fait du miel. Bah, pour moi, l'anarchie, bah, c'est un mot, un mot assez vague. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vit ensemble. On essaie de ne pas participer à tout ce qui est commercial. Du coup, on a une bonne bande de potes. On a pas mal de matériel entre nous. Et c'est comme la bière. À un moment donné, on avait tout le matos. Quand on organisait des concerts, on avait les lumières, la sono, les légumes pour faire à manger. Et on allait acheter des canettes de bière à ED. Et du coup, pour moi, l'anarchie, c'est d'avoir décidé d'arrêter d'aller acheter des canettes de bière à ED et de faire la bière soi-même. Ouais, c'est ça, c'est simple et efficace. Alors, Kropotkin dit très bien, prenons ce que vous dites, les anarchistes, ils sont hors sol, ils rêvent, tout simplement parce qu'ils supposent l'être humain bien meilleur qu'il n'est pour vivre dans une société débarrassée de diverses formes de domination. Lorsque nous entendons des individus dire que les anarchistes imaginent les hommes bien meilleurs qu'ils ne le sont en réalité, nous nous demandons simplement comment se fait-il que des gens intelligents puissent répéter de telles absurdités. Ne disons-nous pas continuellement que le seul moyen de rendre les hommes moins rapaces et moins égoïstes, moins ambitieux et en même temps moins serviles, consiste à éliminer ces conditions qui favorisent le développement de l'égoïsme et de la rapacité, de la servilité et de l'ambition. La seule différence entre nous et ceux qui font l'objection mentionnée ci-dessus est la suivante. Contrairement à eux, nous n'exagérons pas les instincts inférieurs des masses et nous ne fermons pas les yeux avec complaisance sur les mêmes bas instincts chez les classes aisées. Nous maintenons que et les gouvernants et les gouvernés sont pervertis par l'autorité et les exploiteurs et les exploités sont pervertis par l'exploitation. Tandis que nos opposants semblent admettre qu'il existe une sorte de sel de la terre, les gouvernants, les employeurs, les chefs, qui, fort heureusement, empêchent ces mauvais êtres humains, les gouvernés, les exploités, les subordonnés, de devenir encore pire qu'ils ne sont. Vous ne pouvez pas avoir une commune, une organisation politique à petite échelle, qui fonctionne à la suite d'une situation de crise, puisque là c'est à la suite d'une situation de révolution, si vous n'avez pas au minimum des ventres pleins, un toit sur la tête et de quoi vous vêtir. Et on ne fera rien si on laisse les gens dans un état de survie, quoi. La deuxième idée, à partir de là, c'est qu'il faut penser l'économie, non pas du point de vue de la production, à l'inverse, en prenant ce qui doit en advenir, c'est-à-dire depuis la consommation. Il dit « Notre production ne peut pas continuer sur la lancée actuelle. Le tout premier progrès en direction d'une société socialiste impliquera une réorganisation complète de l'industrie au regard de ce que nous avons à produire. Il implique une transformation de l'industrie de telle sorte qu'elle soit adaptée aux besoins du consommateur et non à ceux qui en profitent. Et de nombreuses branches de notre industrie actuelle doivent disparaître pour limiter leur production, et beaucoup de nouvelles doivent se développer. Les anarchistes, en général, promeuvent des modèles de société dans lesquels il n'y a pas d'oisifs. C'est une manière d'appréhender le travail, et d'appréhender surtout la part que chacun donne à la société. J'ai fait tout mon parcours scolaire en primaire dans une école freinée. Et j'ai même eu tout un tas de parents, dont les miens, qui ont créé une école. Et qui était aujourd'hui, mais je me rends compte, on était dans les années 70 et ça a tenu plusieurs années. Et donc j'ai fait tout mon primaire là-dedans. Les enfants, les parents, les profs, on était vraiment tous au même niveau. On avait tous droit à la parole. Et moi, très jeune, je savais me faire un emploi du temps, dire ce que je devais faire. Il y avait des moments, évidemment, où on faisait des cours de français ou de maths, ou voilà. Mais on savait s'organiser, et on le faisait, et on se posait pas la question. C'est un postulat de base de la pensée anarchiste, c'est que voilà, enfin, c'est qu'en fait, cette volonté de faire sans autorité, c'est assez naturel chez la plupart des êtres humains. Enfin, on vit dans un monde
monde qui est autoritaire, mais au quotidien, bah, dans une maison, dans un groupe d'amis, surtout beaucoup de groupes d'amis fonctionnent de façon tout à fait anti-autoritaire. Pour le pique-nique, bah voilà, enfin, il va pas y avoir un mec qui va décider, oh, on va ici, tout le monde dit d'accord. On va en discuter ensemble pour savoir où est-ce qu'on a le plus envie d'aller, qu'est-ce qu'on veut pour bouffer. Et ça, au final, bah, qu'est-ce que c'est sinon qu'un mode d'organisation non autoritaire. Spontanément, quand on a affaire face à des difficultés concrètes et qu'on a un groupe, on se met ensemble, on secoue notre matière grise, nos neurones et tout, et même s'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire à la base, ben on se met à savoir les faire. Malatesta qui dit « Toujours tu chériras la liberté », Proudhon qui dit « Ensemble, ma liberté est infinie ». Et ça, ça serait vraiment en fait un petit peu le... on va dire... au centre de l'éthique anarchiste. Quoi. Mais revenu spontanément, bon, de la Boétie, là, sur la, voilà, sur la servitude volontaire, qui est un ouvrage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, et qui effectivement montre combien une société et des individus s'aliènent volontairement, parce que c'est tellement agréable d'avoir un grand papa et une grande maman qui décident tout pour nous, et c'est formidable, c'est tellement bien. On a tous et toutes intériorisé en fait l'autorité de l'État. Et on se surveille toutes et tous mutuellement. On n'a pas besoin de l'ENA, en fait. On a juste besoin, en fait, d'avoir un peu peur et de penser que la sécurité, enfin, le sentiment d'insécurité va être comblé par des artefacts ou des solutions matérielles que l'État va nous servir sur un plateau. Quoi. Des reliques. Le pas anarchiste à franchir, en fait, c'est de cesser de faire vivre l'État en nous, en fait, parce que faire de vivre la domination, vivre les structures de domination, parce que, en fait, le grand problème, c'est qu'elles existent en nous. Et le pas à franchir, c'est, bah, ouais, c'est les enlever en nous, et ensuite, là, genre, pouf, on n'est plus libre. Si eux, ils veulent continuer à vivre dans ce monde-là, ils peuvent, quoi. Et on s'est dit un jour, c'est leur utopie, quoi. Donc, après tout, ils peuvent la vivre, quoi. S'il y en a qui veulent vivre sur la planète Mars, qui se dépêchent d'y aller, voilà. Et donc, on s'est dit un jour, mais en fait, dans leur utopie, est-ce qu'ils sont pas avec nous? Donc, on s'est dit, mais s'ils sont pas avec nous, est-ce qu'ils sont bien seuls ou est-ce qu'ils sont mal seuls, quoi, tu vois, c'est... Quoi, on peut considérer qu'il y a une tendance, en tous les cas, libertaire au sein des Gilets jaunes, dans la façon de s'organiser du mouvement, avec une certaine recherche de l'horizontalité. À l'origine, j'ai eu la chance, finalement, je trouve que c'est une chance. Moi, j'ai eu une éducation qui était complètement à rebours de toutes les idées anarches que je peux avoir maintenant. Quoi. Donc, j'ai eu une contre-éducation vers mes 20 ans, en fait. J'étais pas mal à attaque, donc là, effectivement, c'était absolument pas anarchiste, je confirme. C'était même très stalinien. Les deux mouvements sociaux importants que j'ai vécu ces dernières années, c'est les Nuits Debout en 2016 et puis les Gilets jaunes depuis 2018. Quoi. Je crois qu'un des points communs qu'on avait tous, c'était justement cette volonté de développer une démocratie directe, des assemblées. Je crois que ça a été une expérience de socialisation politique pour beaucoup en vraie grandeur. Quoi. Les gens ne savent pas en fait qu'ils vivent un truc libertaire ou qu'il y a une peur de se voir mettre l'étiquette anar avec tout ce que ça charrie comme cliché. Bah oui, déjà c'est un qualificatif qui est quand même très péjoratif aujourd'hui, dans le langage courant. Quoi. Puis il y a tout un dispositif de toute façon qui est là pour nous empêcher de nous relier à ces racines-là. Bon, il y a le côté voilà, aussi romantique, forcément, si t'es anar, t'es un mec qui a rien dans la tête ou qui est bon, pris dans des idéaux romantiques et c'est pas du tout efficace ni opératoire. Ou alors c'est associé à des formes violentes, des attentats, des choses... qui ne sont pas forcément représentatives ou exhaustives du mouvement. Quoi. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur l'actualité, justement, c'est là qu'est le paradoxe. C'est qu'effectivement, la transmission, elle n'est peut-être pas faite, les textes ne sont peut-être pas explorés, utilisés, réappropriés, à savoir la tension entre la liberté et l'égalité, les fameuses contradictions, la fameuse contradiction aussi entre l'individu et le collectif. La pensée anarchiste, justement, ou libertaire, elle apporte des solutions à tout ça. Les gens qui essayent de s'éveiller, qui rentrent quand même dans les mouvements, qui font l'effort à un moment donné, ou qui ont le désir, en tout cas, de lutter à un moment donné, même sans le savoir, ils ont l'intuition de ces solutions-là, je pense. Donc on reconnaît pleinement la liberté et la propriété de soi. Et en même temps, on sait très bien que si c'est égotiste et isolé, ça fonctionne absolument pas. Donc je suis allé d'abord au rond-point d'Antibes parce que ça s'est trouvé comme ça. J'ai fait les différents ronds-points, c'est là que je me suis senti le mieux. Il y avait cette volonté justement, effectivement, de ne pas avoir de leader, de ne pas avoir de représentant, de s'organiser par rapport à un objectif commun à un moment donné, à un instant T. Finalement, on a été délogés et ça a mis un terme à l'expérience. Il y avait vraiment une diversité, parfois conflictuelle, hein, faut pas...
se raconter d'histoire, mais il y avait un fond commun quand même. Les gens, ils étaient dans l'action, ils n'avaient pas forcément besoin de théoriser là-dessus. D'abord, ils étaient pris dans cette ivresse collective aussi d'agir, quoi. Et que ça justifiait d'y passer du temps. C'est une question de domination, quoi. Hein. Si on considère qu'on est dominé socialement, bah, quand tu fais ça, tu te réappropries quand même de l'espace, quoi, clairement. Hein. C'est des espaces un peu interstitiels. Les ronds-points, c'est vrai que c'est improbable comme lieu. Le gilet jaune, c'est tout aussi improbable. Mais tu te réapproprie comme ça des symboles et ça maillait le territoire, ça créait des lieux où en plus, je parlais tout à l'heure de socialisation politique, bon, c'est peut-être un grand mot, mais enfin voilà, l'éducation populaire aussi dont on parle, moi je parlerais d'éducation émancipatrice, elle se faisait de fait, quoi. On est opprimé par ces entreprises, on se fait racketter à chaque fois, enfin c'est féodal les péages quand même, hein. Ça dit bien l'exploitation capitaliste quand même, clairement, quoi. Blanqui n'est pas exactement anarchiste, c'est plutôt autoritaire, pas marxiste non plus. Mais pourquoi l'enfermer ? Parce qu'il a passé quand même la moitié de sa vie en prison. Il est né ici, hein. Enfin, il est né à Puget-Théniers. Il a fait ses études au lycée Masséna. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il est allé en prison, c'est lorsque la police du royaume de Sardaigne l'a mis en prison. Alors lui, c'était l'action directe, c'est boum boum, on met des barricades, on fait la révolution. Il n'a rien construit finalement. Mais c'est intéressant de voir que, tout à l'heure je parlais du socialisme, on va appeler les socialismes, c'est pluriel. De l'anarchisme, du marxisme, du blanquisme, etc. Il y avait différentes formes de socialisme. Il y avait les utopistes. C'est assez pluriel et c'est très intéressant justement de voir ce qu'il y avait au XIXe siècle. Et quelque part, avec l'échec retentissant de l'Union soviétique... J'ai pas vu. T'avais, oui, bah... parce que, en gros, le stalinisme a mis une chape de plomb sur tous les mouvements contestataires. Trotsky, du coup, après avoir réprimé l'anarchisme, s'est trouvé lui-même à devoir se faire réprimer. Oui, il a compris mal de choses à un certain moment. mais le problème, c'est que toutes les révolutions qui ont eu lieu au XXe siècle, elles étaient dans le paradigme du stalinisme. Avec en plus des dérives plus graves encore, comme le maoïsme. On voit, je pense, depuis 25 ans, un renouveau, je dirais, des mouvements anarchistes. Pour les jeunes générations, il y a plus ce paradigme du socialisme réel, et donc du prétendument réel, et il y a la possibilité d'inventer autre chose. Mais ça va prendre du temps maintenant. C'est-à-dire que le libéralisme est tellement puissant, tellement socialiste, tellement cela, que c'est compliqué aujourd'hui. Mais ça ouvre des portes et des possibilités qui n'étaient pas il y a 25 ans, 30 ans. Agir sans chef, donc que ce soit chef de parti, chef de ci, chef de ça, et qui est assez prégnante, je trouve, hein, qu'on voit de plus en plus, notamment les Gilets jaunes ont clairement manifesté à la volonté qu'ils ne voulaient pas du tout de chef, pas de représentant auprès de ci, de ça. Et c'est une porte ouverte, au final, à pas mal d'autres formes d'organisation citoyenne. Et c'est riche, au final, ce qui s'ouvre devant nous, quoi. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, dans les mouvements d'extrême gauche, de ne plus avoir, qu'ils soient, quelle que soit leur obédience, marxiste ou libertaire, de ne plus avoir des gens qui sont là du tam aeternam. C'est-à-dire que tu es là pour un temps. Et à un moment donné, tu laisses la place après, quoi. Et puis tu as un travail. Et puis à un moment donné, parce que comment tu peux parler de ce que vivent les gens au quotidien si toi-même tu ne le vis pas ? La pensée de Bouchine, depuis sa mort en 2006, c'est vrai que, bah, notamment avec l'aide du Rojava qui a beaucoup fait pour la promotion de cette pensée, mais c'est qu'il y a quand même vraiment un intérêt massif pour la pensée d'un auteur qui, toute sa vie, c'était quand même assez marginal. Hein. Oui. Bah oui, mais je pense que c'est vraiment dû justement à l'effondrement du stalinisme qui s'effondre au fur et à mesure. Bon, il y a des choses qui évoluent et c'est assez intéressant. Et ce qui s'est passé au Rojava, j'en parle au passé maintenant parce que je pense que militairement, on ne tient pas face à la Turquie et la Russie. C'est pas par hasard, je pense, que les Américains les ont lâchés. Hein. Enfin, ce qui fait aussi probablement peur à la plupart des États du monde, c'est le fait que du coup, une entité massive comme ça qui fonctionne sur une base, je ne sais pas, libertaire, écolo, féministe, oui, voilà, puisse s'aimer se répandre, pour eux, ça doit être assez flippant. Je pense que la charge de Trump, c'est surtout ça. Hein. En Catalogne, au Chili, en Équateur, en Uruguay, au Liban, à Hong Kong, il y a des mouvements qui s'organisent, qui s'auto-organisent. J'ai envie de dire que la lutte des classes est toujours là. Il y a une guerre mondiale actuellement que le libéralisme mène contre les classes populaires, mais là, on voit que ces classes populaires sont en train de se révolter un peu partout dans le monde. Et c'est extrêmement intéressant. Nous avons signé la Convention de Genève. Nous sommes allés rejoindre d'autres forces pour libérer la région du contrôle de l'État islamique. Alors que notre mouvement et notre peuple ont sacrifié des milliers de vies dans ces combats, l'État turc, qui nous traite de terroristes, n'a rien fait pour stopper les extrémistes de l'État islamique qui terrorisaient des milliers de civils innocents à travers le monde. Nous ne sommes pas des
Je suis une militante féministe écologiste sociale, libertaire, antimilitariste. En même temps, je suis écrivain en littérature ou d'autres formes d'écriture. Et aussi, je suis chercheuse. Il y a 21 ans, j'étais en train de faire une recherche sur le mouvement kurde. Et à l'époque, c'était même plus difficile que maintenant. Il y avait beaucoup de tabous. Et on m'arrêtait, on me demandait de donner des noms des personnes que j'ai interviewées, et j'ai résisté. Et j'ai été torturée gravement, qui m'a empêchée de bouger une année même mes doigts. Et j'ai été emprisonnée 2 ans et demi. Et au cours de l'emprisonnement, on m'a accusée du terrorisme, des choses horribles. J'étais turque, j'appartenais à un milieu intellectuel, etc. Donc ils ne voulaient pas qu'une personne dans ce milieu s'intéresse à ce sujet. Et après, c'est devenu une lutte symbolique autour de moi. Et j'étais allée à une des journaux tout le temps. Mais il y avait une solidarité énorme et l'État n'attendait pas ça. Il y a plein de prostituées d'Istanbul, plein de transsexuels, plein de personnes qui vivent dans les rues. Donc on a créé un très grand mouvement de paix. Nous avons créé dans l'action une organisation féministe qui s'appelle Amargi. Et nous avons continué plusieurs luttes dans cette période-là. Une lutte féministe, mais aussi une lutte féministe qui lutte contre le militarisme, contre le nationalisme, contre le capitalisme et aussi qui essaie de mettre en question toutes les dominations dans ce monde et trouver des liens entre les rapports de domination avec le patriarcat. Surtout, on était dans les luttes écologistes sociales. Nous faisions un journal, une revue, à partir de 2016, une revue théorique comme ça, féministe, des articles de 15 pages, tu vois, mais ça se vendait parce que on était dans une époque où on allait manifester, après on allait discuter sur la philosophie, après on faisait une action artistique. Donc on voulait vraiment changer les choses de profondeur, donc on s'intéressait beaucoup à la théorie. J'étais exilée au début. Mais maintenant, je suis une nomade. Vraiment, je ne me sens pas exilée. Parce que comme j'ai créé des liens dans plein d'endroits, et je vais beaucoup en Suisse, en Belgique, en Italie. L'Italie, c'est mon deuxième pays parce que j'ai des liens très, très forts là-bas. J'essaie de trouver les mouvements libertaires, les mouvements antimilitaristes, et ce n'est pas la même chose. J'ai beaucoup de questions et j'ai des pistes de réponses. Maintenant, j'essaie de les arroser. Les anarchistes en Turquie, ils ont créé, mais vraiment, je peux dire créer le mouvement antimilitariste. Les livres de Bookchin se sont traduits en Turquie début 90. En France, ce n'était pas le cas. Ils mettaient le social, les dimensions sociales dans les questions écologiques. Ça nous a beaucoup servi pour nos analyses. Parce que tu commences à voir qu'on ne peut pas seulement changer les choses de haut vers le bas, parce que pour créer une société écologiste, il faut qu'on s'organise. Solution politique. Je dois prendre des images à la con pour un reportage, des images de passage de route. Ce sera juste des plans de coupe. On est monté à Chambéry pour un congrès sur la violence policière organisé par la Fédération anarchiste de Chambéry. Mais on remercie Mao de vouloir bien prendre les images. Et ça va être génial. L'État, lui, sur la répression, il a 10 ans d'avance sur nous et nous, on est toujours à la traîne et on réagit toujours au coup à coup. Il y a tel contrôle, il y a tel garde à vue, il y a tel... Et on n'arrive pas à prendre un peu les devants là-dessus parce que, voilà, c'est du réactionnel. Et effectivement, comme ça vient d'être dit là à l'instant, et t'as raison, c'est qu'en fait, ça nous dévie de notre objet politique de pourquoi on était là. Un temps fou pour organiser des concerts, choper de la thune, etc., trouver des avocats, enfin bon, bref, c'est insupportable. Mais en tout cas, leur stratégie, elle est très efficace. L'idée, là, c'est qu'on est... qu'on soit constitué en avance et qu'on soit pas sur du réactionnel. Moi, j'ai toujours été sur le terrain à faire des actions et tout ça parce que j'ai été élevée dans le... Justement, tous les gens en costume, il fallait que je les admire, quoi.
Par exemple, j'admirais le général de Gaulle. Voilà. Tu as été élevé dans l'amour de l'ordre, en fait, oui, et de l'autorité. Oui, oui, de l'autorité, c'est ça. Et j'étais autorité à moi-même. Mais ça, c'est difficile à déconstruire, du coup, je suppose. Ah, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais là, je crois quand même y être presque arrivé, quand même. Parce que c'est important pour un militant, du coup, d'arriver à identifier le fond autoritaire qu'on a tous en nous, hein, et d'arriver à le déconstruire patiemment, ou même le fond social qui en nous voudrait qu'on tente de prendre le pouvoir sur voilà. Les autres. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Alors, ça, c'est vrai que le pouvoir, autrefois, ça me plaisait beaucoup. Alors, ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Alors, maintenant, ça ne me dit absolument rien. Et puis, d'être mise en avant, toi, comme ça m'arrive, là, c'est dur à accepter parce que je me suis déconstruite de tout ça. Quand on est dans l'autoritarisme, on impose. Alors que moi, je suis maintenant pour discuter avec les gens, essayer de se rassembler, mais de construire une pensée commune. C'est une question de légitimité. Je crois que c'est ça aussi qui a fait peur énormément. Je pense que c'était des luttes qui étaient perçues quand même comme légitimes. Cette légitimité, je crois que c'est vraiment important parce qu'elle était peut-être plus forte encore que celle qu'on avait contre la loi El Khomri ou contre des réformes qu'il fallait expliquer, etc. Là, c'était viscéral, quoi. C'était, y a un moment, y a basta, quoi. C'est pas facile à maîtriser. Et donc, effectivement, bon, bah, y a une répression. Bon, ça, je pense que c'est pas la peine de s'étaler beaucoup dessus. Elle a été féroce et à tous les niveaux. L'appel de Saint-Nazaire, pour moi, il était clairement anticapitaliste, il était clairement contre toutes les formes de discrimination, agir au plus vite compte tenu de l'urgence environnementale, écologique et climatique. Ça a été voté, ça a été amendé plein de fois, on a vraiment travaillé, c'était épuisant le travail de rédaction. Créer une espèce de municipalisme libertaire du coup, à l'échelle du pays, ça te paraît souhaitable, envisageable ou totalement utopique? Tu penses que du coup on a passé une phase où ça devient déraisonnable ou ça te paraît réalisable? Le cadre institutionnel, il n'est pas forcément favorable à ça, quoi. Enfin, clairement, quoi. Hein, il n'est pas forcément adapté pour ça. Et aussi au niveau des mentalités, quoi. On le voit bien. C'est-à-dire que voilà, on va rechercher des têtes de liste, on va rechercher des personnalités. Donc, moi, je pense que ça reste ouvert. Je pense que c'est un très bon outil, évidemment. Cet échelon-là, on peut l'appeler de nos voeux, on peut l'espérer, on peut voir qu'il est essentiel. Maintenant, il est où le manuel pour le constituer? Enfin, je veux dire, on peut piocher, effectivement. Je pense que c'est super important d'avoir des références, d'aller lire des penseurs, etc. Mais après, tu fais quoi par rapport à des gens qui ont pris l'habitude de la remise de soi, d'avoir des représentants, de glisser un bulletin dans les urnes à chaque échéance? Dans les grandes villes comme Nice, on le voit bien. Enfin, je veux dire, c'est un effet du marché immobilier, quoi. Enfin, il y a des effets là aussi de domination économique, sociale, culturelle qui font que va me chercher des endroits libres où on peut développer des alternatives, quoi. Bon, il y en a quelques-uns, heureusement, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, quoi. Il y a quand même des urgences aujourd'hui, et face à ces urgences, il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à passer la vitesse supérieure, quoi. Je considère que les classes sociales existent toujours et ô combien dans notre société, et qu'elles sont en lutte aussi, évidemment. Pour arriver à une société sans classe, justement, il faut déjà quand même s'affronter à une réalité qui est éminemment classiste et qui fonctionne selon des schémas classistes. On ne peut pas oublier de toute façon qu'en dernier ressort, le pouvoir repose sur la violence, quoi. Et encore une fois, la violence systémique, elle est monstrueuse, quoi. Elle est sans proportion par rapport à tout ce que nous, on peut envisager, et d'ailleurs qu'on envisage calmement et tranquillement, puisqu'on n'est pas des bouts de feu non plus. Dans le libéralisme économique, chez Smith ou chez les néoclassiques, il y a vraiment cette pulsion, cette vision d'un homme calculateur, donc compliqué, d'une machine à calculer, quoi, qui est tout le temps en train de calculer son utilité, et qui est vraiment à la base de tous les modèles qu'on nous sert encore aujourd'hui, y compris sur les marchés financiers, etc. Donc chacun d'entre nous serait mu par son intérêt, par son utilité, etc.
Et je voulais souligner que c'est des passions tristes, quoi. C'est vraiment une vision très pessimiste et très négative de l'humain. À l'inverse, et je crois que c'est ce qui nous distingue justement, il me semble que dans la pensée anarchiste et libertaire, on met en avant beaucoup plus des passions heureuses, à savoir justement l'entraide, la solidarité, et qu'on est capable d'empathie, qu'on est capable, et que justement on pourrait fonder la société sur l'empathie, la solidarité, l'entraide. Et ça, c'est un fil conducteur aussi dans la pensée anarchiste qui me paraît super important, quoi. Toi, depuis que tu as commencé ton parcours d'associatif avec tes collectifs, etc., tu as créé une contre-société. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui te correspond mieux avec les gens qui comptent pour toi et qui est fonctionnel et qui est même beaucoup plus fonctionnel que des structures de type hiérarchisé qui galéreront à faire un dixième de ce que tu fais parce que forcément c'est plus lourd, c'est plus machin, c'est plus truc. À quel moment tu as eu l'impression peut-être de faire quelque chose de libertaire ? Au niveau de l'associatif, enfin, j'étais pas tout seul, quoi. C'est cette prise de conscience-là qui m'a fait aussi basculer. C'est-à-dire de me dire, ouais, seul, je peux gueuler éventuellement, je peux râler, mais je peux pas faire grand-chose de plus. Donc, comment faire pour trouver des gens chez qui certaines des choses que je dis puissent faire écho? Comment je fais pour semer des graines? Voilà, j'ai pas forcément raison, j'ai pas forcément tort, mais on peut créer des jolies choses en groupe. Donc, m'entourer de gens qui n'ont pas forcément les mêmes compétences que moi, qui peuvent combler des compétences que moi, je ne possède pas, mais je peux les dépanner sur d'autres trucs et puis voir que comme ça, on arrive à tisser. On a une diversité et on doit tenir compte de tous les avis, quoi. Un jour, on sera crevé, donc on va assurer un renouvellement. Donc, on va former des gens tout de suite. On ne va pas attendre. Et ça a été la base. Bon, je me rends compte après, avec le recul, que bah ouais, c'est hyper horizontal et hyper anarchiste. Sauf que je le savais pas, tu vois. Je suis le monsieur Jourdain de l'anarchisme. Je fais de l'anarchisme. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Sur tous les continents, il y a des peuples qui vont pratiquer, pratiquent et pratiqueront encore pendant très longtemps des sociétés qui sont horizontales, extrêmement fonctionnelles et fascinantes. C'est ce que disait Bookchin ou ce que disait aussi, c'est que bah, le réservoir de pensée libertaire, c'est la pensée du 21e siècle, quoi. C'est ce qui s'ouvre devant nous. Au niveau de l'écologie, du féminisme, de la démocratie, de tout. Enfin, c'est là, 21e siècle, ça souffle là-dessus et on a tout à explorer. On peut le pratiquer à petite échelle en créant des collectifs, des assos, en faisant un potager, en faisant ci, ça, et ça peut s'appliquer ici et maintenant, partout où on veut, en fait. Le 21e siècle, si on continue comme ça, en fait, on va recommencer les mêmes trucs, hein. Je pense pas qu'on va faire du réchauffé, quoi. Enfin, reboot, ouais. Là, on va dire que... Notre terrain incognita, en fait, ça serait un 21e siècle libertaire, anti-autoritaire et hors des cadres de domination, quoi. Ça, on ne l'a pas encore tenté, on ne l'a pas tenté formellement. Pendant 270 000 ans, les êtres humains qu'on est, comme ça, n'ont pas vécu dans des systèmes de domination. Donc déjà aussi, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais les paléo-anthropologues qui se sont intéressés à ces notions-là ont vu, en fait... Ce qui semble être d'ailleurs la source de la vie, c'est-à-dire c'est l'entraide, hein, des formes d'entraide chez des hominidés qui devaient être comme nous, hein, approximativement, peut-être un peu plus poilus, on n'en sait rien, mais peu importe, qui en fait maintenaient en vie des membres de leur communauté qui étaient complètement inaptes au travail, inaptes à quoi que ce soit en fait, infirmes à la naissance et dont on a découvert les cadavres à 40 ans. On a, les fosses étaient... Il n'y avait pas de détermination entre genres pour savoir, en fait, si quelqu'un était supérieur à l'autre. Il y avait les animaux qui étaient enterrés aussi avec les humains. Donc ça, c'est une des preuves qu'utilisent les paléo-anthropologues pour se dire pendant des siècles et des siècles, des dizaines de milliers d'années, les formes de domination n'ont pas été institutionnalisées. Et c'est très, très récent qu'elles l'ont été. Et Murray Bookchin dit l'avenir de l'humanité, en fait, c'est pas les humains décloisonnés de la nature avec une nature... mis sous bocal et protégé, ça c'est l'environnementalisme. Lui il dit c'est l'écologie, et l'écologie elle est forcément sociale, parce qu'on est, dans la nature, on est la nature, quoi. Maintenant on a quand même un paquet d'années de responsabilités pendant lesquelles on a foutu le dawa, quoi. Il n'y a eu que 500 bonhommes dans certains endroits de la planète qui ont fait en fait ce truc merveilleux qui est toute la diversité de semences, de nourriture, d'arbres fruitiers, et d'animaux d'élevage qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça c'est sans autorité, sans état, en pure autonomie, sans science formelle.
juste par apprentissage, par la pratique. Et là, bon, avec une éthique vis-à-vis de la nature évidente, parce que écologie sociale, on vit avec la nature, on est la nature, quoi. Mais on est capable, voilà, avec certes, peut-être que notre responsabilité, c'est d'être capable, en fait, de faire des trucs géniaux et de brasser la génétique un petit peu plus. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. L'anarchisme, c'est un truc super cool. Ça, ouais. il faut dans les luttes de Notre-Dame-des-Landes, j'ai vu une chose très importante. C'est une lutte qui vient de bas. C'est une lutte qui vient de bas et qui a su, que les militants ont su s'inscrire dans cette lutte et qui ont su à nourrir cette lutte et qui continue et qui se transforme et qui s'adapte à différentes formes de violence. Et ce qui est très important là-bas, ce que j'ai vu, et ce n'est pas seulement une lutte contre quelque chose, mais aussi une lutte pour création de quelque chose. Et une création de nouveau mode de culture, de culture dans le sens de production, mais aussi de lier cette production à la culture en général. Et après, je vois ces gens-là tout le temps en train de... Ils n'ont pas des réponses, c'est ça qui me plaît. Et qui disent toujours comment on va décider, est-ce que nos modes de décision c'est bien. Et même ils appellent tout le monde des différents pays, ils disent que nous faisons comme ça, vous faites comment. Donc il y a une recherche d'aller vers la liberté, vraiment. Il y a la poésie partout. Ils font des rituels, ils construisent des bâtiments et après la police vient les détruire. Mais quand ils construisent le bâtiment, c'est que la beauté. Il y a les sculptures, il y a les dessins, plein de choses. Et moi, j'ai vu un, après il était détruit. Je suis passée 3 mois après et ils étaient en train de construire encore un truc. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme vous faites au sable à côté de la mer. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils m'ont dit, si, même si on veut lutter 2 jours, on va lutter en beauté. Je fais partie de plusieurs mobilisations en Europe et je me sens très optimiste parce que je vois quelque chose qui bouge. Je vais ou à l'Assemblée des Gilets jaunes ou dans les actions des Gilets jaunes. Je me sens assez, je trouve très important ce mouvement. Donc j'ai commencé à tisser des liens avec plusieurs mouvements qui me nourrissent. Mais avec mon expérience qui est un peu plus différente qu'ici, je crois que je l'ai nourrie aussi. Donc c'est une période assez importante pour moi. Quand j'étais petite, mon grand-père était très proche à moi. Mon grand-père, c'était un marxiste-léniniste. Et il parlait de dialectique. Il y a 4 choses, tout est en lien, tout change, les changements viennent des contradictions et les petits changements créent des grands changements. Il y avait une époque où on réduisait toute la complexité de la société, de la liberté, à seulement à une dimension. Et maintenant, on a compris quelque chose de multidimensionnalité de la question de liberté. Et de la société aussi. Et c'est très intéressant de penser avec Bookchin, penser avec le féminisme, penser avec des différents courants qui font une critique. Nous voulons changer pas seulement les rapports de domination de classe, mais nous voulons changer tout. Toute la société, tout le paradigme de domination qui existe dans cette société, notre relation avec les animaux, notre relation entre nous, avec les petits, avec les grands, avec toute forme de hiérarchie qui peuvent se mettre en place, on veut vraiment transformer tout. On veut une vraie liberté, une jolie liberté. Et maintenant, nous avons plus de ressources. Quoi que le fassent les anarchistes, ils passent toujours pour des gens violents, alors que c'est souvent les plus pacifiques, des gens qui parfois cherchent le pouvoir, alors que les anarchistes, par définition, ne cherchent pas le pouvoir, ils cherchent juste à faire en sorte que chacun change et qu'on établisse de nouveaux liens entre les individus. Bookchin disait un truc sympathique, vous pouvez le trouver dans le YouTube, il disait que le mot liberté, il est sorti parce que le mot anarchiste, on passait toujours les violents qui mettaient bombes, etc. Après les communes de Paris, on a vécu dans ce pays une grande violence, une des rares violences qu'on a vécu, je ne sais pas, dans toute l'histoire. Ils ont vraiment tué cette expérience magique
j'allais dire. Ils ont effacé l'histoire. On ne joue pas avec leurs règles et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à contrôler non plus. Cette richesse de compréhension et de ne pas vouloir de tourner le dos à la domination, c'est quelque chose qui fait peur à mon avis. On commence à créer une culture libertaire et même une culture alternative dans le pays depuis 20 ans, dirais-je. Et même maintenant à Nice, moi je suis trop contente de chaque fois de revenir à Nice, de connaître l'anarchie, le lynchisme, de connaître le féminisme, de connaître toutes ces critiques qui existent dans ce monde. Et il faut bien tenir, il faut toujours garder le feu et peut-être le grandir aussi.